Il y a 10 ans, à peu près à cette date, j'intervenais à l'Agora des directeurs des services généraux. À la fin de l'intervention, je croise Mickaël Lejar, et à qui je pose la question, mais est-ce que vous avez ce même club pour la sécurité? Et il me répond non, nous cherchons le président. Et sur une boutade, je lui réponds, cherchez plus, vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, l'Agora des directeurs sécurité a 10 ans. Nous avons 6 clubs régionaux et 260 membres. Nous avons réalisé 213 soirées club. Et ce soir, notre 5e soirée de gala sur la sécurité privée. Une force de l'Agora, c'est les soirées. Moi, je pense que les soirées sont un moment privilégié où on se rencontre, déjà entre patrons de sécurité d'une même région. Le fait de pouvoir échanger avec des conférenciers, des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer au quotidien. Dernièrement, c'était entre guillemets tout ce qui est protection civile et des mineurs, des gens qu'on n'a jamais l'occasion de pouvoir rencontrer. En dehors du réseau, je crois que le plus important, c'est le réseau. C'est cet ensemble humain, c'est la capacité d'avoir un annuaire sur lequel on peut s'appuyer, prendre son téléphone, appeler un autre directeur sécurité et lui parler librement de sa problématique. Par l'intermédiaire de la question flash, on peut interroger l'ensemble des directeurs de la sûreté sur une problématique spécifique qu'on vient de découvrir. L'un des premiers intérêts de l'Agora des directeurs de la sécurité est, selon moi, de visiter des sites, je dirais, tout à fait incroyables, comme par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le Grand Palais, ou alors encore la maison de la radio. On peut être accueilli, comme on l'a été récemment, au sein de l'aéroport de Lyon, et où le directeur de la sécurité a eu l'occasion de nous présenter comment il réagit en temps de crise. Dernièrement, nous avons visité l'Opéra National de Bordeaux, qui est un site magnifique et qu'on a eu la chance de pouvoir découvrir grâce à ce club. Nous avons fait avancer un dossier autour des jeunes, avec un partenariat avec des universités, la mise en place du prix Jeunes Talents. Nous avons également ouvert les discussions avec les institutionnels, donc ce qui était novateur au niveau des Agora. On a également, il y a quelques années, participé à la refonte de la loi 83 en faisant des groupes de travail de manière régulière. Pour accompagner notre développement, nous avons mis en place un collège national de l'Agora des directeurs sécurité qui renforcera nos liens avec l'État et les différentes organisations du monde de la sécurité privée en France, mais également à l'étranger. Pour demain, nous allons lancer un magazine digital pour relayer des news, des interviews, mais aussi des ateliers flash. Ce club, c'est le vôtre. Sa force, c'est la vôtre. Alors, continuons à grandir tous ensemble. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble de nos membres et nos partenaires qui nous font confiance, et certains, depuis 10 ans.